C'est un coup de filet réussi par les services de la lutte contre la criminalité et la fraude. Au total, un groupe de personnes constituées des Égyptiens et des Pakistanais ont été arrêtés par ces services de l'État. Ils sont reprochés des contrefaçons et des piratages de certains produits dans les téléphones. À cela s'ajoute la détention des passeports touristiques et non résidentiels. Ils ont donné mon passeport et abo touristique. Oui. Maintenant, ben, j'ai livré au petit commerce qui est exclusivement réservé aux nationaux congolais. Oui. Ma visa à Bougnéo il y a 6 mois. D'abord qu'on termine, puis la main nous révèle que nous on est là chez Arcadia sous couvert d'une personnalité juridique de la place. Trésor Mahamba, directeur provincial de l'antifraude, s'est dit indigné de la situation. Et les directeurs de ces services qui luttent contre la criminalité dans la province du Lualaba et les siens comptent poursuivre avec l'enquête pour démanteler ces réseaux. Dans les heures qui suivent, ces présumés malfrats seront présentés auprès du ministre provincial de l'Intérieur pour que l'affaire soit tirée au clair.